Bien, je m'appelle Victor, j'ai 25 ans. J'utilise Covoit ici depuis maintenant 2 mois pour me rendre sur mon lieu de travail qui se situe à Louviers. Alors, j'ai découvert l'application purement au hasard et après avoir essayé, j'ai tout de suite été séduit par le principe. Alors, comment ça fonctionne? Ça organise un trajet avec un covoitureur au hasard de manière complètement aléatoire et spontanée. On se rend sur le lieu de covoiturage, en l'occurrence ici, boulevard d'Orléans à Rouen. On s'inscrit sur l'application et on attend qu'un covoitureur vienne nous prendre pour nous déposer au lieu de covoiturage final, en l'occurrence le mien, l'arrêt Sanofi à Louviers. Mon entreprise se situe juste à côté. Alors, comme j'expliquais, les trajets se font de manière complètement aléatoire, nous n'avons pas besoin d'organiser à l'avance. Et si ceci dit, nous attendons plus de 10 minutes à l'arrêt de covoiturage sans que personne ne nous prenne, l'application alors vous contacte directement au téléphone et vous propose de, si vous voulez continuer à attendre un petit moment, ou alors déclencher la garantie départ avec l'envoi d'un taxi pour vous permettre de rejoindre votre lieu de travail dans les temps et ainsi pouvoir opérer notre journée dans les meilleures conditions. Et bien, ce qui m'a motivé à utiliser Covoit ici, c'est tout d'abord le côté pratique, le côté découverte. De tous les emplois que j'ai pu effectuer partout dans toutes les directions, j'ai toujours été curieux de découvrir par quel autre moyen on pouvait s'y rendre, autrement que par l'utilisation simple de notre véhicule en étant tout seul. Donc après en avoir entendu parler, j'ai juste voulu tester et ainsi pouvoir comprendre et voir par moi-même à quel point c'est plus pratique. Les arguments de la création de Covoit ici étaient parfaitement compréhensibles. C'est aberrant de voir autant de véhicules avec une seule personne à l'intérieur, ce qui crée beaucoup d'embouteillages, donc beaucoup de ralentissements sur les routes, beaucoup d'inconfort pour nous rendre sur le lieu de travail et ainsi plus de pollution, plus de rejets de CO2. Et le côté écologique est évidemment bien intéressant. À chaque trajet que nous utilisons, l'application nous précise tant de gaz à effet de serre a été économisé par notre trajet. Car 2 ou 3 personnes dans un véhicule, ça fait toujours 2 voitures au moins sur la route au moins, ce qui est quand même intéressant. Eh bien, tous les Rouennais qui font le trajet quotidiennement pour aller travailler sur Louviers et à Val-de-Reuil seraient d'accord pour préciser que les routes sont quand même très embouteillées. On perd facilement 10 à 20 minutes aller et 10 à 20 minutes retour dans les embouteillages. Si jamais le covoiturage se développait davantage, on pourrait imaginer des embouteillages potentiellement réduits par 2 et ça ferait quand même un trajet beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable au quotidien et qui serait surtout un gros gain de temps dans nos vies privées. Eh bien, moi, je combine Covoit ici avec les transports en commun de Rouen au quotidien. Étant donné que j'habite au niveau du quartier de la gare à Rouen et que l'arrêt Covoit ici d'Orléans se situe à 2 pas d'un arrêt de Théor, l'arrêt de T4 Orléans du même nom. C'est ce qui m'a aussi motivé à tester Covoit ici, c'est la proximité parfaite entre les transports en commun, ma résidence et le lieu de covoiturage. Tout se concordait pour me pousser à essayer et je ne regrette pas. Il y a un autre avantage notable avec Covoit ici, c'est notamment le contact humain. Par exemple, je suis quelqu'un d'assez sociable qui aime beaucoup discuter, bavarder, échanger, rencontrer de nouvelles personnes. Et utiliser le covoiturage nous permet de rencontrer de nouvelles personnes au quotidien, voire même de développer des amitiés, des affinités. Et en tout cas, passer des voyages en discutant, en échangeant, c'est toujours plus agréable et moins ennuyeux que voyager tout seul. Bien, j'espère que le fait de parler de Covoit ici à mon entourage convaincra de plus en plus de personnes à l'utiliser. On peut au moins semer l'idée dans leurs esprits et au fur et à mesure, lorsqu'ils verront qu'il y a vraiment un intérêt à faire diminuer notamment les embouteillages et l'ennui du trajet quotidien, ça pourra faire mûrir l'idée qui sait à l'avenir.